Et j'ai le blues 2. J'ai le blues 2, alors je leur laisse des petits messages, mais moi en ce moment je suis tellement débordée aussi et je me doute que c'est pareil pour eux. Alors... Et quand t'as le blues de tes amis de Notre-Dame de Paris, tu penses à eux, tu remets le disque? Ouais. Ben, quand j'ai le blues, je leur laisse des messages. Oui. Alors là en ce moment je leur ai laissé des messages, mais j'avais pas de réponse. Ah bon? Oui. T'as pas de réponse? Ben... Mais... Ils sont tous au Canada puisque... Non mais je sais pourquoi t'as pas de réponse. Je le sais moi pourquoi. Tu vas le savoir pourquoi t'as pas eu de réponse. C'est parce qu'ils ont voulu te répondre ce soir avec tes amis, ta famille, tous les gens qui t'aiment. Et on sait qu'il y en a beaucoup. Ils ont voulu te faire ce petit cadeau avec notre complicité. Alors tu vas voir, la réponse, elle ne vient pas toujours là où on l'attend. Regarde bien ça. Belle, ma petite fille avait un don du ciel. Elle chantait sans répit, elle une hirondelle. Un beau matin vers Paris, elle s'est envolée, priant pour que la ville s'ouvre sous ses pieds. Elle a brigué rien étonné dans la vie, que la patience est toujours ta meilleure amie. Et celui qui lui a donné sa première chance, c'est lui la mérite toute sa reconnaissance. Ô Notre-Dame, oh laisse-moi encore une fois me faire pousser dans une cage par Hélène Ségara. Esmeralda s'est incarnée en elle, mais maintenant elle vole de ses propres ailes. Elle râle jamais dans les tournées promotionnelles. C'est du bonheur de faire les chansons pour elle. Elle porte en elle quelques péchés. Laisse-moi rien qu'une fois couper les téléphones d'Hélène Ségara. Belle, avec ses grands yeux noirs qui nous encensent, s'il y a trop de gens qui c'est tout naturel. Je mourrais bien elle et moi pour lune de miel. Mais pas de chance, je suis trop jeune pour elle. Plus d'un homme serait prêt à mille folies pour elle. Donnerait tout pour l'escorter jusqu'à l'hôtel. Mais là, on laisse nous
gratuité. Présentement. Ça va, Hélène? Ah là là, ça m'a assis parce qu'il y avait des gens que j'avais pas eu. Enfin, il y a des gens que j'ai plus le temps de voir en ce moment. Des gens que j'ai appelés ces jours-ci, ils m'ont rien dit. Je l'ai vu hier, elle. Et puis, je m'attendais à une surprise rigolote, mais pas un truc qui me. C'est très, très. C'est très, très beau ce que vous avez fait. Merci d'être venu. Je pense que vous avez fait une super belle surprise à Hélène.